Hello YouTube, du coup, Six Days in Fallujah, on va aller tester deux parties. La partie campagne, donc la partie solo, une partie de la partie campagne, parce qu'il y a une partie que j'ai pas le droit de vous montrer tellement elle est assez sexy, avec des petits rebondissements. Et puis la partie coop, avec des personnes qui me rejoindront tout à l'heure pour qu'on aille taper le coop, qui, moi, que je préfère, hein, que je préfère, je vais pas mentir, parce que c'est vraiment, ce jeu est incroyable en coop. Et la nouvelle map, je l'ai testée 4 minutes et elle est incroyable. J'arrive! Je passe. Make your family suffer, they want to feed you. La balle hein. On voit sa tête, il dépasse. Rentrez. Ouais. Commencez à faire votre progression, let's go. Il y a un étage encore. Ça me tire au pistolet. Vas-y, suppresse, bordel. Bon, il y a beaucoup de contacts. Face mini, vas-y. Realize that, you know, we're not superhuman here, but we're actually getting killed. Bonne vidéo YouTube et surtout abonne-toi en... Your best teammate. Remember it. Six days in Fallujah. Je lance la campagne et on va pouvoir découvrir du coup ce Six Days in Fallujah pour ceux qui connaissent pas ou ne pas le découvrir, mais en tout cas découvrir les nouveautés qu'il y a. Déjà, première nouveauté, ils ont changé les trucs qui sont derrière WAM, à savoir le menu a un peu changé, etc. Machin, ça fait quand même plus pro qu'avant. Les settings, j'ai déjà tout fait. La campagne, donc comme je vous le disais maintenant, elle est sous forme chronologique. En gros, si je dois faire un récap, le jeu il est en early access et pour le coup il est déjà l'un des top ventes sur PC. Le but du jeu des personnes qui ont créé Six Days in Fallujah, c'était un petit peu de ressusciter les shooters en équipe. Comme pour du Rainbow Six et du Ghost Recon, même s'il y avait des logiques qui sont pas du tout comme celles de Rainbow Six et Ghost Recon, anyway. Ils ont rajouté des modes de jeu, donc jouable en solo ou avec une équipe en IA, ils appellent ça l'IA Fireteam, ça n'existait pas avant. Quand tu dois aller en training, donc moi j'ai dû m'entraîner pendant, allez, une petite heure quand même, j'ai bien fait la mission training et j'ai vraiment essayé de mettre dans un contexte où, ok, c'est de faire les choses proprement. Au début, donc comme d'habitude, c'est des bots, bon bah forcément il peut y avoir des petits couacs et tout, mais en vrai, en fait tu fais tout avec une seule touche. Mais le combo des touches ne va pas être le même, donc si je fais un clic droit sur quelque chose, plus la touche qui est C, ça va faire suppressing fire. Si je fais, je regarde vers la zone, mais je ne fais pas de clic droit, ça va faire regarder là-bas. Si je fais shift, la touche pour courir, plus la touche C, ça va faire aller là-bas. Si je fais shift plus C sur une porte, ça fait préparez-vous. Si je fais C sur la porte, ça fait défoncer la porte et rentrer. Et donc au final, ils ont réussi à faire un truc pas trop mal. Un truc simple, peut-être parce qu'ils veulent le faire sur console. En vrai, c'est hyper bien fait. Parce que la première mission qui est dans le jeu, ils veulent pas que je vous la fasse voir en live pour le coup. C'est à vous de la faire parce qu'il y a des éléments dedans. Et elle est incroyable quoi. Vraiment. Équipe en IA, commander l'équipe avec des tactiques militaires réalistes comme suppressive fire, infiltration, sécurisation de cible. L'histoire documentaire qui a été rajoutée. Maintenant, les missions sont basées sur des faits réels avec un focus sur le début de l'ISIS, que de l'État islamique, et la bataille la plus intense pour les forces occidentales en 50 ans. Nouvelle mission coop, celle qu'on va faire, HLZ Wolf. Chaque partie est unique grâce à une génération procédurale des bâtiments. Et ils ont amélioré graphiquement avec une refonte des effets visuels, avec le ray tracing qui a été intégré. Et perspective future, le jeu continuera de s'étoffer et contenu et fonctionnalités avec sa sortie finale en 2025 sur PC, PlayStation et Xbox. Ouais, franchement, c'est pour ça quand ils sont venus me voir et qu'ils m'ont dit on peut faire un truc sponsor et tout machin, j'ai regardé le jeu, j'ai fait « Ah, là c'est une vraie mise à jour quoi. Là c'est un vrai... Il y a un vrai changement par rapport à la dernière fois quoi. Là il y a eu du gros changement. » Donc ça, ils le présentent. Il y a la première mission et moi je passe à celle d'après. Donc du coup, il y a des vidéos à chaque fois. Voilà, si je vais là, je peux faire play full vidéo, mais je ne le fais pas pour le coup. Faites-le si vous avez envie d'acheter le jeu. An assault harbors a deadly terrorist network headed by Abu Musab al-Zarqawi. An associate and collaborator of Osama bin Laden and his Al-Qaeda lieutenants. Within weeks of the Marines' withdrawal from Fallujah, it became clear. The coalition had surrendered one of Iraq's most important cities,
to one of the world's deadliest terrorists. Al-Zarqawi's mission in 2004 in Fallujah was real simple. It was to establish a worldwide caliphate based on his particular brand of religion. The violence that Zarqawi preached was so appealing that people would come from all over the world to do the most horrendous and brutal things to people. They want to torture you. They want to make your family suffer. They want to feed you. They will do so many things before they finish your life. It was a daily scene when you go out and see bodies dumped in the trash. There were Iraqis, of course, in the insurgency, but there was a lot of foreigners coming from all over the Arab world, even from non-Arab countries. Even from the United States, from France, Europe. Les États-Unis, la France, l'Europe. Ah ouais. The country will turn over to Al-Qaeda. In October of 2004, Iraq's prime minister ordered civilians out of Fallujah. Il en connaissait que trois. So Iraqi and coalition forces could retake the city. We are determined to clean Fallujah from terrorists. 90% of civilians left the city, while thousands of insurgents turned Fallujah into a fortress. Voilà les amis, on va pas se mentir que le fait de rajouter ce genre de vidéo, etc., ouais, c'est quand même pas trop mal fait, quoi. Ils vont juste aux bordures de ce qui pourrait être ban sur n'importe quelle plateforme, quoi. Et sans jamais dépasser la limite, mais elle est là. On la sent. Et là, t'es un peu... Ouais, c'est ça, c'est un peu... Tiens, bouffe ton contexte, mon gars. C'est comme ça, ok. Voilà comment ça s'est passé. Good luck and America f*** yeah. Let's go. Bon bah du coup, mission. Je l'ai pas faite. Je vois la mission complète. Depuis 6 mois. Apache 6-4. C'est de là que ça vient. The night before the battle, slept in a hole in the desert, about 3 miles north of the city. And I say slept because none of us slept, didn't sleep one second. What you kept seeing was here and there almost flickering, like fireflies, or guys checking their luminescent watches. And you just see it, minute, like checking. When you can just look around and see like miles of men and machines getting ready to try and take the city, you knew that it was going to be big. Early in the morning of November 9th, 6 battalions of American and Iraqi forces assembled along the northern edge of Fallujah. Their mission will be to clear every insurgent out of every one of Fallujah's 50,000 buildings, so only Fallujah residents can return. It's pitch black that night. Pitch black, because they did the attack on no moon, no illumination at all. And you could hear them from the mosque shouting to each other, let them come in, you know, never run, never show them that you're afraid. All of a sudden, we had Humvees blasting AC/DC, and we're like, let's go in, let's get it over with, let's go home. It's not a general's war. It's a war that's fought by the corporals and the sergeants and the non-commissioned officers taking charge of their fire teams and their squads. I knew this was an Al-Qaeda thing. This was a foreign fighter thing. I knew this was whoever the hell wanted to fight us in the whole world was coming to Fallujah. Yeah! Oh, ça me donne envie d'un McDo. The hardest trial by fire of your life. Ah, je vous avais prévenu. Augmenter le son. Ah, tu vas voir. Pourquoi pas tout raser au lieu d'aller chercher à pied? Parce qu'il y avait 3 chatons dans Fallujah. Et les Américains ne tuent pas les chatons. J'ai pas joué cette mission. Je sais pas à quoi m'attendre. Roger, two story, about 100 meters south. That's affirmative. You have to clear your way to it. Stay on your side of the road. We got multiple friendly units operating.
feu. C'est une blague. Issue a move go command. By default, your teammates follow where you lead. Yeah, I know that. Vous en pensez quoi pour le moment? Staged breach. Issue a move go command on a closed door, and your team will stack up and wait for your signal. Thank you.
position. That sounds like mortar fire! No! Is out of position. Oh, c'est intense. Putain, il est magnifique quand même le jeu. Non ? C'est ouf quand même. C'est vraiment intense. Hein. Ils ont fait un truc avec les commandes et au final ils demandaient à ce que les influenceurs. Commencent à. Enfin, s'habituent aux commandes parce qu'elles sont pas simples à prendre en main. Tout se fait quasiment avec une seule touche. Donc c'est vraiment maintenir ou pas maintenir, ou faire un clic droit plus le maintenir, ou faire un shift plus maintenir, ou faire un shift plus le C, etc. Mais ça permet. J'ai enlevé tout le HUD. Pour que vous ayez une meilleure immersion, même s'il y a le HUD du stream pour le coup. Et ça permet vraiment de faire des trucs assez rapides comme ça, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment cool, quoi. Et ça, c'est la nouvelle mise à jour. Hein. Et il regarde bien les trous et tout. Alors là, il vient d'annoncer les stashs. Bon, j'aurais préféré qu'ils les prennent eux-mêmes plutôt que de me les crier. Tiens, weapon stash. Au moins, il le dit. Ok. Personne n'a vu ça. Mais y a plus rien en haut, ils redescendent. Et donc si je les fais venir vers moi, là je les fais venir vers moi, je peux faire un hold fire, je peux faire un suppressing fire, je peux faire watch, je peux faire préparer à bridge, tout ça avec une seule touche. Ce qui est quand même assez ouf. Thank you.
serait sympa, c'est pas aux normes tout ça. Je pensais qu'il y avait un mec qui était bugué dans le mur en fait. Alors qu'en fait pas du tout. Si on m'avait dit qu'il y a 40 ans je jouerais un jeu comme ça quand même. Je crois qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a. Non, vous trouvez pas ? En sorte que les mecs puissent faire un suppressive fire. Incroyable. Incroyable ça. Le tir de suppression est ouf. This is the enemy we're facing here. They're vicious, they have a lot of tenacity, and they're a lot smarter than we think. And so for me, it was kind of a reality check. This is what this battle is going to be like. Men like Zarqawi and Bin Laden, they don't care if they have to destroy everything to get what they want. If he wasn't stopped, why wouldn't a guy like Al-Zarqawi continue? Ask yourself that. You know, in the first 2 days, we were not even into like the main battle of it. First 2 days was just like an appetizer for what was going to happen. C'est Six Day in Fallujah, le jeu. Kicked us in the balls and realized that, you know, we're not superhuman here. We're actually getting killed. Yo, Kara. Everything kind of hits home after you've seen somebody die. And when you're sitting there and it's quiet and you're sitting there by yourself, you know, and you're waiting for the attack to happen, that's when your mind starts wandering. There's this sense now that our technology, our drone warfare, guided missiles, that they in some way inoculate us to the ageless nature of war and the brutality of it. They don't. Take every step like your life depends on it. Because for us, it did. Oh, j'ai mis une balle à mon pote dans le dos. Ça, c'est fini pour moi pour la partie solo. La bataille de El Fajr, je crois que c'est une reconstitution historique, il me semble. Donc il y a pas mal de bâtiments qui ressemblent à ce qui pouvait se passer dans ce quartier-là à l'époque. Et puis il y en a d'autres qui sont procédurales pour le coup. Et puis même, ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort sur les photos. Hein. Le fait de mettre des photos réelles quand même. J'ai cru que c'était les nouvelles missions, mais c'est juste la roadmap. Bah si, tu peux faire commencer la mission là. Si, c'est parti là. Hein. Ah non. Celle-là, elle existe en... J'ai lu 2024 sur les dates. Ah ouais, tu pensais que c'est une roadmap? Non, c'est bien 2004, quoi. C'est bien une chronologie historique de ce qui s'est passé, quoi. Je trouve ça pas mal, hein, franchement. Moi j'adore, hein. J'adore les documentaires sur Netflix, donc forcément, je suis comblé. Et puis, j'adore la reconstitution du truc, quoi. J'aime les choses justes, en revanche. J'aime quand même, j'aime pas qu'on tombe dans une espèce de logique comme on en a bouffé pendant des années 90 aux années 2020, en nous mettant que d'un seul côté des personnes dans la guerre, quoi. En règle générale, voilà, quoi... Le côté binaire 0-1, méchant, gentil, bon, ça existe que dans les Disney, quoi. Et encore. C'est un peu orienté, mais en vrai, ça va. Bon.
Bonjour messieurs. Bonsoir. Et bonsoir, comment ça va? Ouais, bonsoir, et comment ça va? Et Yayo, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux tirer avec la Minimi ce soir. Ah ouais, bah tu m'étonnes, incroyable. Alors, vous avez regardé un peu ou pas du tout? Vite fait, on va essayer. Ah, Yayo, tu vas aimer, hein. Ah, j'ai hâte de tester. Okay. Je pense que vous pouvez cliquer sur vos noms en haut à droite et sélectionner un rôle. Non, c'est non, toi qui dois le sélectionner, c'est comme avant. Ah ok, alors du coup qu'est-ce qu'on a? On va avoir le Fireteam M249, M16 ACOG lance patate, le Ready M16 ACOG et le Assist c'est le M16 no ACOG mais shotgun shotgun. Ah mais moi je peux prendre l'Assist. Yayo il voulait prendre la Minimi. Yayo il veut prendre la Minimi. Ok, donc ça on est pas trop mal et en avant du coup et on essaye du coup c'est parti. First try, même si ça dure 3 heures, il y a no time, ça va péter. On fait ça RP un peu. La campagne est dispo? Ouais, une bonne partie de la campagne est dispo là. AO is secure. Voilà, bon. Squad, hold secure. Qu'est-ce que ça t'a là? Why the hell would you bring a bird in here? Raz is hot to try to show off some freak show nearby. I don't know why they couldn't just... Bud Finn will take an accurate sniper fire at the park! Copy second squad. You've got VIPs in the area. Lock that shit down. Okay. Run it. Third squad, hold the park! Ça tire en direction direction nord, je suis touché putain. Qui est-ce qui est là? Ok, vous êtes là? Je suis là. Voilà, on est là. Et radio, c'est où déjà? Ah non, c'est ça, ok. Ok, radio. Il se passe. Ok. Direction nord, ça me tire direction nord en fait. Je sais pas si vous le voyez là. Négatif. C'est quoi le pinguet déjà? C'est. La balle! On voit sa tête qui dépasse. La tête traitée, je pense. Il y en a d'autres sur le toit. Toujours la balle! Je suis pas sûr que ce soit C. Tiens, 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 je suis pas doux! Derrière! T'es blessé? Je suis blessé! Ok, je bouge pas! Ok! Je suis dessus, c'est bon! Ouais! Ah, c'est bon, merci! C'est sud que ça tirait! Ouais, non, mais tu l'as traité ou pas? Ouais! Ok! J'essaie de checker par où faut aller. Sécuriser la zone. Localiser et éliminer les éléments dans le parc aux alentours. Ok, faut qu'on sécure la zone dans laquelle on est là. Ma courante à gauche, le long du le tour du parc, ok. Let's go Yayo, viens. Marcus, follow. Les gars, follow. Ouais. Ferme la lune, vas-y. Ferme la marche. Vas-y. Je follow. Out of my line of fire. Vous êtes là? Ok, ma courante à gauche. Je sais pas d'où ça tire. Sniper. D'où je sais pas où. Info? On a pas d'info, je sais pas d'où. Fais gaffe, passe pas devant moi frérot. Ok, je vais passer, faites gaffe au trou. Ouais. Ok, ça colle derrière? Ouais, ouais, ça colle. On est tous là. Ok, à 11h du coup, gros bâtiment. Un négatif, c'est pas là qu'il faut aller. Ok. Vu le gros bâtiment à mes 11h là. Du coup, je vais smoker. Cherchez pas à comprendre. Et vous suivez, let's go à 11h. 3, 2, 1, okay. Top. Let's go, continue, je couvre. On suit. Vas-y, continue, passe. Tiroir. Passé, t'es tout seul. Let's go, j'arrive. Ah, let's go, on sécure ce bâtiment là. Ok, ma courante à droite, à gauche, ça sert à rien. Ma courante à droite, vas-y, tourne-toi. Dedans.
Fais-moi péter ça là à droite là. Non, prends la ligne, prends la ligne sur le corner pendant que tes potes sont en train de faire quelque chose. Bazou, 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 ma courant, attends, voilà, garde là s'il te plaît. Je place le C4. Vas-y, vas-y, Marcus. Ça a pété, ça a pété. Allez, let's go, rentre dedans. Top, top, top. Let's go, vas-y, Yayou, Yayou, vas-y, vas-y, j'ai. Prends-toi, je prends toi. Premier étage. Ok, reste là, reste là, reste à l'XT, Yayou. Allez, on clear cette les gars. Ça tire? Ouais, ça tire. Afi, Afi, Afi. On se parle, les gars, j'ai envie qu'on se parle, hein, tout le temps. Info? Ok, c'est moi, Marcus. Ça tire à l'étage, t'as un visuel, Yayou? À l'étage, fais gaffe au trou, fais gaffe au trou à l'étage! À l'étage, à l'étage! Ok, bien pris. Fais gaffe au trou, suis ton pote avec le shotgun. Passe devant. Ça tire. Je monte dans l'escalier, je suis dans l'escalier. Ça tire encore, hein. Encore, ouais. Pour moi, ça vient extérieur, direction est. Y'a un toit, y'a un escalier qui mène au toit encore. Ouais, c'est quelle touche là-bas? Je sais pas, moi je les remets. X, X, si t'en as une. Ok, quel merci. J'appuie dans le trou, vous pouvez passer sur la droite. Ok, ça donne quoi extérieur, Yayo? Pour c'est clair. Ok, on est au premier étage, tire pas s'il te plaît. Ok, le premier étage est clear. Vas-y, monte, 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 Baizou, continue ton move. Ouais. Ok, c'est clear, effectivement. Le toit est clear aussi. Il y a encore une. On monte sur le toit. Ok, un pack traité sur le toit. Faites gaffe, sniper, les gars, restez pas là. Hein. On redescend, on descend. Yayo, on redescend. Bâtiment clear. Vas-y, go, 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 c'est là. Passez devant. Yayo, on sort. En avant, les gars, let's go. Yayo, retrouve-nous à l'intérieur, s'il te plaît. Ok, vu à 11h du coup la grande roue, effectivement. Ok, donc ça c'est le parc, ok. Et c'est le parc dans lequel on doit rentrer, d'accord. Donc on fait main courante à gauche et on rentre dès qu'on peut rentrer dans cette merde. Parce que c'est ça qu'il faut clear. Ok, attention à la tour. Vas-y, tu peux y aller. Yes. Baizou. Allez, let's go. Baizou. Marcus, let's go. Yayo, ferme la marche, s'il te plaît. Yep. Let's go, Yayo. Je suis passé. Vas-y. Prends le bouchon arrière. Et je suis à un portail. Un portail face à Baizou. Tu peux le péter ou pas? Vas-y, fais péter, vas-y, on rentre. T'appuie sur l'avant, je t'appuie sur l'avant, je t'appuie sur l'avant. Ok, on rentre et on part vers la gauche. Vers la gauche, ok, bien pris. Ok, je suis parti juste à droite, je reste dans, au niveau de la guérite là. A droite au niveau de la guérite, je suis dedans. J'ai un contact plein nord, plein nord-est. Sur le top, premier étage du bâtiment. Ok, traité, visitez lui. Ok les gars, recollez sur nous, autant pour moi sur le départ de gauche, recollez là, vous êtes dans. Vous pouvez passer derrière moi là, rentrez, ouais. Vous commencez ouais, à faire votre formation, let's go. Vas-y. Je suis deuxième. Ok, let's go, hein. On y va en tiroir les gars. En tiroir, ça veut dire il y en a qu'un qui bouge à chaque fois. J'appuie. Parfait. T'arrêtes pas, quand ton pote s'est arrêté, tu y vas, poulet. Yayo, vas-y, continue, à gauche, dans le bâtiment, gauche. Vas-y. Baizou. Ouais. Je suis à toi, Marcus. Non, c'est à toi d'y aller, Baizou. Non, c'est à toi. Ok, je passe derrière toi, poulet. Je suis passé. Ouais. Allez, let's go. Vous arrêtez pas, les gars. Yayo, rentre là-dedans. Je vous appuie toujours sur le découvert à droite. Hein. Je peux rester. Ok, ça marche. Yayo, Yayo, c'est comment à l'intérieur? Bah, c'est clair à l'intérieur et je suis en train de regarder. Là, je vois rien, etc.
Ok, recolle sur... Reste là où t'es, Marcus, pour le moment. Ouais. Quelqu'un peut se moquer, s'il vous plaît, sur ping, là. Et on va faire un bond dans l'alignement de la grand roue, là. Quelqu'un se moque ou... Dans la direction de mon bras, plein est. Ok. Ça tire ? Ça tire, contact. Je suis touché. D'où ça venait ? Aucune idée. À 11h, coin de mur, je pense. Info pas sûr. Merci. Ok, smoke ouais. Sur le surveiller, comme je te disais encore. Et fais un bond dans la guerre et tourne à midi. Ça tire encore. Hey, tir de suppression là, vas-y, go. Vas-y, go, t'arrêtes pas. Je suis dans le bâtiment à ta droite. Ok, stop, c'est fire, Yayo, viens avec nous, join. Ok, j'arrête le tir de suppression. C'est bon, je suis bon. Bâtiment vert. Sur le toit du bâtiment. Sur le toit du bâtiment vert, vu. Vas-y, rentre, je le tire, rentre. À charge. Viens avec moi, laisse Baizou prendre la ligne. Yayo, bouge pas. Sur mon ping, Baizou. Passe devant, Marcus, go. Grand découvert, il y a une rue. Ok, j'ai ta gauche. Tu vas faire un bond jusqu'au. Je fais un bond au conteneur déjà. Ouais, vas-y. Ok, vous pouvez recoller les gars derrière. Let's go. Ok, vas-y, je passe. Ça, vas-y, hein. Okay, vas-y, passe, t'arrêtes pas, rejoins-le. Ok. Let's go, te colle pas, essaye de faire un bond directement si tu penses que c'est la merde là. J'y vais sur la camionnette. J'arrive, je fais un bond. Ok, je recolle avec Baizou, j'arrive. Vas-y Baizou, je passe devant. Ok. Move out the way. J'ai recollé derrière la camionnette. Ok, ici c'est clear, grande ouverture. Le bâtiment à 1h me fait un peu peur. Ouais. Je suis derrière toi, Six. On a l'information de la part du renseignement sur la position du tireur embusqué. Hein. Apparemment, il serait justement dans le bâtiment vert, ok ? Ok. Et c'est là qu'on va aller pour le moment. Ok, quelqu'un peut se moquer pour faire un bond de l'autre côté de la route, s'il vous plaît ? Vas-y, je smoke. Vas-y. Au nord, hein. Pareil, on s'en fout. Là aussi. On va pousser sur la smoke du coup. Ok. Ok, let's go. J'ouvre. Vas-y. Je suis derrière. Je peux traverser pour prendre la. Vas-y. Traverse. Fais un bon. Passez tous. Faites un bon. Je vous appuie sur vas-y, je passe. Fais un bon. Vas-y, va te coller. Ok, je passe, t'es tout seul. Ok. Hey, les gars, main courante à gauche, hein, sur ce mur. Main courante à gauche et on rentre dès qu'on peut, là. On reste pas dans le. Même si c'est la smoke. Main courante à gauche et main courante à droite, ça, les gars. Main courante à gauche, ça, c'est main courante à droite, là où vous allez. Vas-y, viens, Six. Suivez. Collez. Là. On est entré de l'autre côté. On avait une entrée de l'autre côté. Tirer dessus derrière. Négatif, rentrez à l'intérieur, rentrez, les gars, on est sur votre droite. Rentrez dans la cour. On avance là, pas besoin de se parler là, ok. Le dernier avance à chaque fois, let's go. Y'a même pas besoin de discuter là. En tiroir, ok, j'y vais. Allez, let's go, allez. Ça tire depuis le bâtiment. J'ai pas la 18. Pour moi, direction plein nord. Pour moi, c'est nord, ouais, exact. Ah, c'est plein nord aussi, ouais. Bâtiment rouge, 2 Pax, 1 traité. Bâtiment rouge, 80 mètres à peu près. Ouais. 2 traités. Ok, on va faire un bond. Hey, n'hésitez pas à balancer vos smokes pour faire un bond. On va taper directement dans le bâtiment vert. Ouais, bâtiment vert, ça parle. Hein. Ok, pris. Je smoke au milieu de la rue. Moi, j'ai plus de smoke.
Ok, elle est pas mal. Elle est bonne, la smoke. Hein. On fait un bon. Let's go, let's go, Yayo, en premier. Let's go. Passe, Yayo. Passe. Passez derrière moi. Si tu peux. Nice, j'arrive. Je passe. Yayo, push, Yayo. J'y vais. Ah, sur une fenêtre à droite. Oui, je sais, mais on pouvait pas rester là. Ok, je suis là. Marcus, tu viens? Ouais, je suis là. Ok, ouais, let's go, on tape là-dedans. Un point, derrière, contact arrière. Où ça? Il est blessé. À l'intérieur du bâtiment, il y a du monde. Attention, peut-être à l'intérieur du bâtiment, juste à côté de nous là. C'est à la fenêtre que j'ai pris des balles. Ah, affirmatif, un traité. Je vais rentrer dedans. Je rentre dedans. Je suis rentré dedans. Je suis derrière toi, Six. Ok, go. On est tous dedans. Ok, on commence à parler, please, à l'intérieur. Rez-de-chaussée. J'ouvre une porte, rez-de-chaussée, toujours attention à l'étage. Clear, rez-de-chaussée. On monte, let's go avec le shotgun, let's go. Ça nous touche par les bacs dedans. Ok, mais prends le 6, prends le bouchon arrière. Je prends l'escalier. Monte dans l'escalier, frérot. Monte, allez, on s'arrête pas là. Monte. Ok, on a un blessé. Aide-le. Je prends, vas-y, descends, va l'aider. Vas-y, viens, bouge pas, je te soigne. Ouais. Ok, je te prends ton croisé à gauche, Ouais, fais ton ouverture. Passe-moi. Rentre, décroise, rentre dans le bâtiment, dans le truc derrière toi maintenant. Parfait. Y'a personne, c'est un trou, y'a personne. Ok, clear en haut. Pour moi, clear jusqu'à l'extérieur. Ok, attention, l'extérieur et tu contactes. Ok, contact vu à 1h sur le toit. Laisse, je prends Yayo. Yayo, je le prends. Un traité. Ça tire encore sur ce bâtiment. Un autre teaser. Ok. De pas traiter sur la porte. Fais gaffe à ma tête, poulet, hein. Ouais. Wow. Ok, Yayo, reste à la porte. Les autres, ça donne quoi? Ok, ça couvre les 6. Il y a que cette fenêtre, hein. Donc Yayo, arrête de tirer, s'il te plaît, frérot. Laisse-les moi, je m'en occupe. Ok, ça. Un traité sur le toit en face. Attends, je prends le bac avec la mini-main. Un traité dans la rue. Ok, vas-y. Ok, chargeur. Contact, passe mini, vas-y, go, Yayo. Prends. Mini, 60, rez-de-chaussée. Dans la rue. Stop. Eh, fais gaffe, les gars, sur les munes, hein. Ça tire, là. C'est au-dessus, non? Je sais pas du tout. Possible, ouais. En tout cas le tireur embusqué était là. Mais peut-être oui. En passant par l'extérieur, un escalier. Je vais exter. Il y a un étage encore. Ça nous tire depuis l'extérieur. Ok, contact toujours. Direction nord, nord-est, bâtiment rouge. Nord-nord-est, bâtiment rouge, ok. J'ai plus de mun. J'ai plus du tout de mun. Ça tire, hein. Ça nous tire, ouais. Je sais pas d'où ça vient, mais... C'est... Par là-bas, non? Ouais, c'est complètement là. Hein. Contact, plein ouest sur le toit, retire, regarde. Plein ouest sur le toit. Ok, putain, j'ai pris une balle. J'arrive, je rentre. Laissez-moi rentrer. Vas-y, je te soigne. Non, merde. Non! Comment? Waouh! C'est tellement intense! Vache!
Oh. J'ai des acouphènes tellement. Waouh. Wow, je... Non mais Yayo avec la mini-mi. Ah ouais, c'est incroyable. En plus, c'est incroyable. En plus, moi j'étais dans l'escalier, ça a résonné. Ça... Ah ouais, mais il arrêtait aussi, pas de tirer. À un moment, c'est que j'ai dit doucement sur les mines. Ah, j'ai dit Alléluia, il va arrêter de tirer. Moi j'en pouvais plus. Le jeu c'est Six Days Fallujah, Antoine. Ah, faut la tirer. Par contre, quand moi je tire, celle-là. Ah, ok, clairement. Mais moi quand je tire, j'entends plus rien, les gars. Faut me parler radio. Je sais, mais c'est fait pour. Hein. C'est pour ça que je hurle. Tu sais, je te hurle les trucs quoi. Six Ilem, ah ouais, je surkiffe moi. Et là c'est chaud, hein. Là c'est vraiment chaud pour le coup. Mais ça me fait chier qu'on l'ait raté quand même. Mais le manque de mun là, c'est dur quand même. Ouais, hein. Les munes, par contre, d'être que 4, de pas avoir de mun, il va falloir resupply à un moment. Et j'ai regardé, j'ai 4 chargeurs de 200 balles, donc je peux y aller. Ah, tu m'étonnes. Et vous kiffez ou pas? Vous en pensez quoi du jeu, les amis? Dites-moi en commentaire. Et n'hésitez pas à spammer les likes. Ok, let's go. Dans le sud, hein. Ouais, sur tes 360, hein. Sur tes 360. Eh, contact déjà. Ok, contact sur le bâtiment. Derrière le bâtiment vert, bâtiment rose. Contact dessus. Ah non, j'ai... Non... Ah non... Comment? On a perdu notre leader. J'ai touché. Derrière. Je suis immobilisé. Je vous souhaite. Je t'appuie. Ah, laissez-moi, je vous recule. Let's go, faut taper le bâtiment. Let's go. Soignez-le, je le couvre. C'est bon, c'est soigné. Non, il est pas soigné. What the fuck? Des mecs. Les gars, il y avait 3 PAX qui sont arrivés dans le parc d'attractions derrière nous. Waouh. Oh, ah bah surtout qu'on a pris un obus sur la gueule. Ouais bah ouais. Waouh. Vous voulez réessayer comme ça ou quoi? Ouais, ah, c'est vrai. Ouais. Je prends à ta gauche, Yayo. Let's go, Yayo, stop, Yayo. Yayo, stop. Ok, c'est sur moi, vous êtes là? On est là. Let's go sur le conteneur, on sait où il est du coup, ce fils de p***. Vas-y, je suis à ta gauche. Je suis touché, je suis immobilisé, dedans. Ah, 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 je l'ai pris dans la gauche. Enfin, guérite bleue dans l'axe de la grande roue. Derrière vous, grenade. Oh, l'embuscade de... Baizou, c'est là où... Ok, Alro, tu vois là dans la direction de mon bras ici là? C'est par là qu'on part là, on part par là. Ouais. Allez, let's go Alro. Ça tire devant. Oh! Oh la tête! Oh non, je suis dégoûté! Oh la tête que tu t'es pris devant moi! Baizou, c'est là où t'es en train de regarder. Wow! Ah, il a plus de jambes, hein. Il a plus de jambes, il a plus de bras.